Seigneur, toi, tu as créé pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Et tu dis, fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il passe. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance. Et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous, affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette belle journée. Tu nous as accordé. Seigneur, nous remercions pour tes bienfaits envers nous. Tu es le Dieu créateur. Tu es le commencement et la fin. Seigneur, en dehors de vous-même, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le seul créateur de l'univers. Et c'est pour cela, Seigneur notre Dieu, nous prosternons bien bas devant ta majesté bénie pour te louer, pour te glorifier. Parce que, Seigneur, tu as fait pour nous des choses merveilleuses. Ou créez-nous à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, tu es incomparable.
Tu es un Dieu redoutable. En toi, il y a la vie, le bonheur et la joie, la paix. Et Seigneur, nous disons merci. Merci parce que ou c'est bon Dieu, non. Seigneur, nous remercions. Nous disons merci pour semaine ça. Seigneur Dieu qui commençait depuis Seigneur Dieu dimanche. Et je dis à Seigneur, nous arrivons mercredi, nous dormir, nous lever. Seigneur, est toujours là pour protéger nous. Est toujours là pour aider nous. De venir côté au moment ça. Seigneur Dieu, pour demander au pardon pour nos péchés. Demander au pardon pour nos iniquités, Seigneur. Au même Seigneur qui est toujours prêt pour laver nous, pour purifier nous, pour sanctifier nous, Seigneur, de nos souillures. Eh bien, Seigneur, nous présenter nous devant au Seigneur. Nous présenter devant au Papa. Parce que nous connaissons, c'est seul chef des chefs. Ou c'est Seigneur des Seigneurs. Ou c'est Alpha et Oméga, le commencement et la fin. À midi, ça, côté que nous présenter devant, non seulement nous-mêmes, mais tout bien-aimé, qui est toujours connecté avec un prière, ça, qui est connecté avec Chanel, ça. Ça, y'a qu'à vivre, Seigneur Dieu, aux États-Unis. Seigneur Dieu, auditeurs qui attendent nous au Canada, la France. Auditeur captant de nous Côte d'Ivoire, Gabon. Auditeur captant de nous Royaume-Uni. Seigneur, auditeur captant de nous partout. Guadeloupe, Seigneur Dieu. Auditeur, Seigneur Dieu, qui Kinshasa, captant de nous là. Seigneur, Sénégal, quel que soit côté où il est dans le moment ça, nous remettons bas où, cher Seigneur. Auditeur qui en Haïti, ça qui en République Dominicaine, au Père, nous remettons au barreau, cher Seigneur. N'a demandé au souple, papa touché yo, ça qui Brésil, Chili, au Mexique, quel que soit côté yo yé, Seigneur, n'a demandé au capable touché yo dans moment ça. Et au capable fait prière ça, d'intercession, puis yo intercéder pour nam yo. Puis intercéder pour la vie spirituelle, mon Dieu. Seigneur, nous venons devant, on a un moment ça. Nous demandons ton prix, papa. Nous remettons dans la mer. Nous demandons assistance, on a un moment ça. Couvrez-nous, papa. Fais-nous grâce. Car on dit, c'est par la grâce que nous sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais le don gratuit de Dieu. Seigneur, nous remercions. Remerciez-vous pour cette grâce. Remerciez-vous, Seigneur. Parce que vous dites, Seigneur, non par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous sommes capables de sauver. Et bien, Seigneur, nous disons merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que vous êtes monté la croix. Seigneur, mon Dieu, pour capable de sauver nous. Merci, Seigneur, parce que vous êtes monté la croix pour capable de libérer nous. Seigneur Dieu, du lien de la mort éternelle. Nous remercions. Merci parce qu'on a la foi pour nous te reconnaître, péché nous yo, iniquité nous yo, Seigneur, et pour nous être capable de rentrer dans la présence où. Rentrer dans la présence où. Et Seigneur Dieu, passage biblique ça, que nous lire dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 et 20. Qui montre nos seigneurs, eh bien, papa, qui étape que pour nous prendre, pour nous capables de recevoir le Saint-Esprit dans la vie, nous. Seigneur, nous disons merci. Merci pour cette fondation spirituelle. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que, ou bah, nous, éternel Dieu, papa, eh bien,
opportunité, non seulement nous-mêmes, pour nous capables de bénir à travers parole, mais pour nous capables d'enseigner parole au Seigneur avec ça, Seigneur Dieu, qui besoin, qu'on ait comment pour nous sauver. Seigneur, nous disons merci. Nous prions dans un moment ça. Pour présence déjà, qui est là ensemble avec nous. Nous disons merci. Pour bien aimer ça, qui est toujours là avec nous. Nous prions pour ça, qui tendait, Seigneur Dieu, eh bien, émission yo après, la Mandova, jeter multiples grâces sur la vie yo, va bénir en abondance. Et c'est ainsi que nous t'en prions, au nom de Jésus, à lui seul soit l'honneur, la gloire, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Vous méritez gloire, vous méritez louange, vous méritez exaltation, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous saluons tous bien-aimés, captains des émissions. Eh bien, l'heure à la prière, nous toujours gagnons pour vous. Eh bien, dans la plateforme, ça, Église Wesleyenne, nous saluons tout bien-aimé qui branchait. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Gloire à Dieu, chers amis dans le Seigneur. Nous pourrons regarder ensemble un passage biblique. Nous joignons dans Jean 17. Jean 17, c'est un passage, chers amis, côté que, eh bien, nous joignons à côté que Jésus, il t'a apprendre disciples comment pour yo prier. Et je dis à moi-même ensemble avec vous, nous réunis, chers amis, dans live ça, nous rencontrer pour nous capables de prier. Pour qui ça? Pour nous prier, parce que chrétien ayant les doués mener une vie de prière. Il doit vivre une vie de prière. Pour qui ça, chrétien ayant doué mener une vie de prière? C'est parce que aussi longtemps que nous sur terre ça et que nous vivons, eh bien, c'est une vie de combat que nous avons mené. C'est une lutte. C'est une bataille. C'est une guerre. Il y a une guerre spirituelle. Une guerre spirituelle. Et pour capable gagner bataille ça, pas gagne l'autre moyen pour gagner bataille là, c'est par moyen de la prière. Et c'est pour cette raison Jésus-Christ connaît ça, il connaît
et que disciple yo y a besoin zamza pour yo capable la bataille. Parce que la prière, chers amis, c'est un zam que lié. Et avec zam ça, ou ap capable remporter la victoire. Là nous regardons dans Éphésiens avant que nous entrions dans côté Jésus-Christ a apprendre disciple pour prier là. N'a montré que la prière son âme que lui. Et c'est ça fait Jésus tient à ce que moi-même ensemble avec ou qui disciple. Parce que le mot disciple signifie élève. Élève, c'est moun sa yo ki chita devant yon professeur. Et professeur là, c'est yon modèle pour élève là. La enseigne le bagay ke l pa konnen. Et bagay ke l pa konnen, il pa konnen ki pral servi demain. Et moi-même ensemble avec vous, chers amis, et nous croyons que bon Dieu tient à ce que pour moi avec vous, qu'on ait importance de la prière. Parce que, en pile fois, nous avons des gens qui viennent l'église. Franchement, c'est seulement là où viennent l'église, là. Là où disent nous prier. Et que qui ferme les yeux, bon, pas même prier, même c'est moun qui a prié devant prier pour lui. Mais lui même c'est deux yeux lui fermé et puis la pensée avec taille là, travail là, stress, timoun yo, stress dans foyer. Comment pral payer bill? Taille là, bill machine là, assurance, lui préoccupé. Pensez-li avec des choses matérielles sur la terre. Et c'est ça que faire, nous pas qu'à remporter la victoire. Remporter la victoire sur quelle que soit force qui campe en face ou. Raison, c'est parce que nous pas prier. Il y a des gens qui manquent de prier. Il y a une différence entre manquement et l'on pas fait du tout. Eh bien, chers amis, la prière, très important. Et ça fait, Jésus prend soin pour enseigner. Enseigner disciples, apprendre disciples. Comment pour yo prier? S'il pas important, Jésus pas t'a fait ça. Il pas t'a fait. Et qui sa prière là? La prière, chers amis. En pile là, nous fait prière chaque jour. Nous pas fait la Dieu, mais on fait la Marie. On fait la Madame. On fait la Bossou. Bon, parfois, on même a parlé, mais on dit, je supplie, je prie. Fais ça pour moi, non? Je prie, c'est aptitude ça qu'on gagne. Un comportement côté. Ou descend nous, ou descend nous bien bas, ou humilié ou, et puis pral côté, moun, et puis pour mander nos bagailles. Alors il y a toute forme de prière, ça c'est une sorte de pétition qu'on pral faire, son bagaille qu'on pral mander, bon Dieu, ça c'est une forme de prière. Mais des gains de prière, c'est prière glorification. On doit glorifier Dieu. On doit glorifier, on doit gloire dans la prière là. On doit l'exalter dans la prière là. Gain de prière, c'est prière de remerciement. Prière d'action de grâce. On doit bailler bon Dieu, gloire, action de grâce, remerciement pour ça le faire. Gain de prière, c'est prière
de combat. Côté que vous pouvez demander, mon Dieu, pour le bon âme, pour camper, pour bataille. Pour l'éternel bataille pour vous. La prière combat. Leur bien persécution. Et égal au cas qu'on brûle, les m'a parlé de prière là, avec vous, ou un captain de m'là. Où est raison fait, Jésus prend le soin pour lui enseigner disciples à prier. Parce que, et comme si m'a dit, dire, ou la gon moun nan bataille et pour la gueule sans âme. Jésus, pas jamais la gueule nous sans âme. Jésus pape chom la genou nan combat ça sans nos bagages âme. Surtout pour combat spirituel. Surtout pour lutte spirituelle. Et je dis à tout monde qui attend m là, yo comprendre bien ça m'a parlé, les m'a parlé de combat spirituel. Yo comprendre bien ça m'a dit là, les m'a parlé de lutte spirituelle. Parce que automatiquement ou devenu chrétien. Maintenant, combat a changé. Lutte a changé. Lutte n'est pas venu une lutte physique encore. Maintenant, lutte ou combat est venu un combat spirituel. Et c'est pour cette raison. Dans Éphésiens chapitre 6, chers amis, apôtre Paul dit, dans le verset 10 à continuer, il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. Fortifiez-vous. Je dis à des monde qui a derrière force, il y a derrière lui. Vous comprenez? Et dans mes malins, il y a devant l'homme pour il est, vous comprenez, un esprit quelconque. On comprend yon force, on comprend qui dans le monde cherche bagay met sou yo. Mais Paul dit là, pour combat ça, pour moi avoir captain dem là dans le ça, ou même captain dem là kounye, m'pa konnen ki combat ouye, m'pa konnen ki lutte koye. Attendez, Paul dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. T'as de qui côté? Dans le Seigneur. Pas devant tiches bas, pas devant la lune, pas devant étoile, pas devant la mer, pas devant pied bois, pas devant force infernale sa yo qui dehors. Non! Dans le Seigneur. Yes. Et par sa force souveraine. Ça veut dire pas gagner l'autre force qui ca camper devant force ça. Et pour gagner combat ça, faut qu'on fortifie dans le Seigneur. Il dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ouais, mot revêter ça veut dire c'est habillez-vous. Habillez-vous. Tout le monde qui attend de là, n'a pas habillé nous. Et Jésus-Christ montre les disciples prier. Chers amis, dans Jean chapitre 17 là, ça son âme tout, li connaît disciples pas le besoin. Parce que Jésus connaît lui même encore qui inspirait Paul pour dire parole ça: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Diable a grand pile manœuvre. Diable a met dame en pile. Il grand pile fait. Il grand pile tout nu au côté le caviré ou pour le prendre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ah, combat a changé. Autrefois, c'était où te gon lutte contre la chair. Ou te gon lutte contre la chair avant la conversion, avant la repentance. C'était contre la chair. Parce que toute lutte que tu as gagné, c'est une lutte physique entre humain et humain.
Mais aussi longtemps que, aussitôt que, ou converti, ou repenti, maintenant, combat a changé, lutte a changé. Maintenant, il n'est pas contre humain encore, lutte ou pas contre la chair encore. Et ça, Paul explique là, il dit, car nous n'avons pas à lutter. Pour quelle raison? Que nous devons habiller nous avec toute âme, toutes âmes. Bon Dieu, yo, pour nous cas, camper ferme contre ou ce diable là. Pour qui ça? Parce que nous pas lutter contre la chair. Parce que diable là, c'est pas un bout de tonton royal par le diable là. Bout de quoi royal par le diable là. Et pas le diable là. Humain, ouais, le diable là. Il qu'a utilisé humain. Et pas le diable là. Diable là, c'est esprit. Mon esprit n'a pas de zo, il n'a pas de sang, il n'a pas de corps. Par conséquent, on n'a pas utilisé manchette contre lui. On n'a pas utilisé bâton contre lui. On n'a pas utilisé armes physiques contre lui. Tenez bien, parce que c'est la Bible qui a parlé là, qui a des instructions comment pour nous remporter la victoire sur force infernale dans le monde invisible. C'est tactique. Avant, yon armé, yon soldat dans la guerre, yon entraîné. Yon fait des enseignements. Il fait des enseignements. Il fait des théories avec lui. Et puis a fait pratique après. Je dis, c'est des enseignements que on apprend aujourd'hui pour connaître comment pour bataille. Parce que pas oublier, texte a dit que ennemi a gen ruse. Ah, je ne pas de compte ça, m'dou ça. Je dis, ennemi a gen pile ruse, il y a tactique pour le bataille. Pour le prendre. Et fuck ou même. Ou gagne zam. Qui zam qu'on besoin? Est-ce son Galil qu'on besoin? Est-ce que c'est son 45 qu'on besoin? Est-ce que son M16 qu'on besoin? Est-ce qu'on besoin char de guerre? Non. Et tandis que gagne char de guerre. C'est leur bataille contre ennemi. L'Éternel l'a gué char de guerre spirituellement tout autour de vous-même pour permettre ou remporter la victoire. Ça fait non soyez là. C'est parce que pendant qu'on t'a fait prière combat. Ou ap rele bon Dieu dans combat yo. Dans lutte yo, ou ap rele bon Dieu et puis char de guerre descend tout autour de vous-même. Avec gros Galil, char de guerre avec gros canon campé. Ap frappé. Si tu as des oreilles spirituelles ou tu attendez yo. Si tu as des yeux spirituels ou tu as ouais yo. Pour qui dégâts qu'a fait dans le monde invisible. Pour ou même, je dis, le disciple de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang. Mais il dit contre les principautés. Chers amis, principautés. Ce sont des esprits. Esprit ça yo gagné en pile puissance. Yo dominé dans l'air. C'est en l'air yo. M'apprend en Haïti. Yo t'a wale fon cérémonie bois caïman. Yo t'es déplacé. Yon vodouisant
en Afrique pour cérémonie ça. Hein? Les vodis arrivés dans l'aéroport, les voient yeux spirituels, ils voient une série d'esprits méchants. Dans le pays, ils disent c'est dans la chaîne qu'on met, tellement ils méchants, tellement ils fait sang couler. Et il dit l'arrivée à Haïti, il voyait tout libre dans le pays d'Haïti. Il dit, il n'y a pas même continuer le cours là, il retourne monter avion encore, il tourne back dans le pays. Donc, là, on parle de principauté, chers amis. En Haïti, on entend les Abdou. Telle zone, c'est tel saint qui patron zone. Vous devez dire tel esprit. Avec chaque zone, yo gagne principauté. Yo. Et ça fait, l'Europe move qui est en zone, pas l'on zone. Pas qu'à move comme ça. L'Europe qui est en maison, ou pas l'entrer dans l'autre maison, ou pas l'entrer dans la cour, ou pas l'entrer dans l'autre la cour. Chrétien pas move comme ça. Dans le cas où vous allez entrer, vous avez ça qui est qui principauté qui est abdominé, vous avez qui principauté qui est fait interpellation pour descendre dedans. Et ça fait quelquefois que vous avez ou chita ou galoué, ça la mange à danser, ou à kayap secoué, ou tant de bouille à faire dedans. Chers amis, ne pas lutter avec sang, corps, chair. Mais n'a lutter contre principauté. Esprit qui chef. Qui gagne pile puissance. Esprit dominant. Cap dominé une zone. Cap dominé une société. Cap dominé un gouvernement. Et c'est là où même on va le vivre. C'est contre la bataille. Ou même chrétien qui t'entend là, c'est contre esprit ça yo, on a combat. Ça veut dire combat ou pas petit. Tendez bien, combat ou pas petit. Tout le monde qui t'entend live ça, combat ou petit combat. Depuis ces chrétiens ou yeux, on a gros combat. Et ça fait ouais, diable avait pour un petit garçon dans la lavelle là. Il voulait pour une petite fille dans la lavelle là. Tout ça possédé ou elle voulait prendre pour la lavelle là. Ou à mal ça qui a passé comme ça. Ça qui a passé comme ça. Ça qui a passé dans la vie. Tout ça me gagne voulait partir dans même là. Ça qui a passé comme ça. Soutenant ça a tombé dans ça. Mon affaire principauté. Ça fait nous pas qu'à vivre n'importe comment. Parce que combat, nous partis combat. Avant combat, nous c'est contre humain. Mais combat a changé. Lutte a changé. Parce que quand nous avons entré dans Christ, combat, nous venons combat spirituel. Et nous camper en face ennemi qui fort. Attendez bien. La Bible a dit ça qui est dans nous. Le plus fort que ça qui est avec vous. Et pour remporter la victoire, chers amis, faut qu'on arme. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les principautés, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs, des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, lui répétait encore. Paul répétait encore. Ou alors, si vous avez des paroles ou bien bon problème, ou pédé répéter un bagaille deux, trois fois ou mine something. Lors l'école ou un professeur, persistez.
persister dans phrase, li répéter over and over. Quelquefois l'on ap li liv, ou kon wè, yo gou met un petit paragraphe à pas. Et puis yo encercle l. Ça veut dire le grand pile valeur. Moun ki intelligent, li pap li liv la seulement mais l'ap gale ça, l'ap persister gade l parce qu'il a connait que ça. Quand même nan Tesla, kon kisyon ta basé sou li. Les affaires élèves qui sont intelligents, ils ne presque pas les livres vrai, mais ils ont seulement gardé les livres et ils connaissent côté question qui a sorti. Ils suivent le professeur, ils suivent l'écrivain qui a écrit. Donc, suivent le texte biblique, ça, Paul parle de lui là. Elle répète encore. Il dit, c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Il répète encore. Dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Chers amis, nous pas parler dans toutes amio puisque n'a parlé de la prière. Le nous rivé. Chers amis, dans le verset 18, puisque c'est la prière n'a parlé, il dit priez en tout temps par l'esprit. Priez en tout temps. Paul dit ça là. Après le fin parler de toutes les amis, il arrive là, il dit priez en tout temps par l'esprit. Ça veut dire, chers amis, ou qui doit dans travail là, pendant qu'on attend des lives ça, et puis on communiquer avec bon Dieu, on parler avec bon Dieu, on travaille oui, ou comprendre. Si c'est planche, on voit planche aller. Si c'est bloc, on voit bloc aller. Si c'est marteau, on va coudre marteau. Si c'est assiette, on va laver. Pendant qu'on lave assiette yo. Si c'est whatever ça on va faire, pendant qu'on fait, et puis on parler avec bon Dieu, on communiquer à bon Dieu, on parler avec Seigneur. Pendant le nursing home, pendant on est à l'hôpital là, pendant on caille patient, on communique à mon Dieu. Ça, c'est une zame qui est important pour nous gagner. Et m'a répété encore, chrétien de nos jours presque en pile là, yo pas briller. Yo prie seulement là à l'église. Yo prie seulement yon le comme ça. Mais la Bible fait nous connaître. Si nous n'en gros combat ça, combat non parti combat, lutte non parti lutte. Parce que ouais, verset 12 là, ou gagnent là en l'air verset 12 li connecté à verset 13 là mais après ça depuis dans 14 là pour arriver en banet li parler de toutes amio et c'est nous là avec moi. Donc ça veut dire chers amis, s'il parlait de toutes amio, yon là dans amio c'est la prière et son geste ça te dit. Parce que m'vle comprendre texte pour connecter texte ensemble. Connecter texte ensemble pour qu'a comprendre ni selon contexte là. Si verset 12 là, gè rapport avec toutes zamyo, la prière c'est une là-dedans yo. Donc ça veut dire l'on prier principauté gen problème. Amen. Oh gloire. L'on prier principauté qui dans zone kotoya ligue problème. L'on prier principauté qui en Haïti entravé. L'on prier principauté qui Canada gè problème. L'on prier principauté qui aux États-Unis gè problème. Parce que puisque la prière sont zame que lié. Et ces âmes de Dieu. Pas oublier, vous connaissez ce qui est passé en Égypte. Vous comprenez? Et on parlait de 10 plaies tombées en Égypte.
Donc vous pouvez imaginer, laissez les âmes bon Dieu gagner dans main ou prier, chers amis, oh, of course, pour s'y porter dans la zone côtoyée, yo entravé. Donc si vous besoin pour même pour commander zone côtoyée, pour commander zone non pour bloquer principauté dans zone côtoyée bien-aimé, eh bien faut ou prier. Une amis, c'est la prière. Et ça me demande de se connecter avec vous pour comprendre contexte texte là. Faut la prière. Tout pouvoir qui gagne dans zone là, sous prier. Quel que soit pouvoir là, démoniaque là, là il y a problème parce que c'est vous pour commander zone là. Pas que pouvoir cap ca camper, cap ca résister, sourire dans la prière. Ça fait dit prier en tout temps. Yo nos amis yo. Pas prier ou leur comme ça en tout temps. Non seulement principauté, non seulement pouvoir, mais contre tous les dominateurs. Chers amis, la prière, de vous prier en tout temps, dominateur, il y a un problème. Sous prier en tout temps, tout esprit mal qui est dans le lieu céleste, il y a un travail. Vous devez connecter là avec vous. Connecter deux textes, versets ensemble, pour comprendre ça. Pour comprendre l'importance de la prière. La prière. Il dit, priez par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Chers amis, ou à pour qui raison Jésus t'est obligé à prendre disciple prier parce que et parfois li à peine enrôler yo bon pas qu'en enrôler mais pour aller au lagem comme ça non Jésus t'y a ce que pour enrôler disciple yo préparer yo à prendre yo prier chers amis de la prière sacerdotale. Jésus apprend yo. Il apprend yo prier. Mais je dis à moi-même avec vous, est-ce que c'est pas important pour moi avoir prié? Et c'est pas important pour nous mettre genoux nous à terre pour nous chercher la face de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas important pour nous capables de rester dans la présence de mon Dieu pour nous prier le Seigneur pour nous demander bon Dieu pour être capable avec nous pour aider nous pour marcher avec nous chers amis nous même captons là. La prière est important. Dans le verset dans Jean 17, nous voyons que Jésus l'a intercédé. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et que celui tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Ils les ont reçus. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie et parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité et ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi. Et moi en toi. Que aussi soit un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimais comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. C'est que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître avec l'amour dont tu m'as aimé, soit en eux et que moi je sois en eux. Gloire à Jésus. Ça c'est la prière. La prière sacerdotale. Côté que Jésus t'a parlé avec papa. Il t'a communiqué avec lui parce que lui connaissait lui-même qui t'a voyé lui sur la terre. Et c'est sûr que disciples, eh bien, de prière ça, yo, ouais, Jésus t'a fait avec papa, eh bien, yo apprend, yo même tout, comment pour yo communiquer ensemble avec papa. Lorsque on a problème, lorsque on a combat, parce que Jésus est le modèle. Est le modèle pour les disciples. Je dis à moi-même avec vous, chers amis, nous sommes disciples de Jésus.
puisque nous sommes disciples de Jésus-Christ, et bien si Jésus qui prend le temps pour le parler avec papa, pour le prendre le temps pour le communiquer avec elle, dans ses plus grands exemples, et bien il était capable de tracer pour nous-mêmes aujourd'hui, pour apprendre nous, pour nous connaître comment pour nous communiquer avec papa nous, comment pour nous communiquer avec notre Créateur, le Créateur de l'univers, lui-même qui crée ciel, lui-même qui crée terre là. Chers amis, je dis à nous quoi l'important pour nous-mêmes, pour nous connaître, comment pour nous communiquer, comment pour nous parler avec mon Dieu. Parce que dans le temps de vivre là, nous dans le dernier temps, côté Satan, les réellement déchaîné. Satan réellement lagué 24 sur 24, chers amis, pour attaquer l'église, attaquer le peuple de Dieu. Et je dis à chers amis, si nous pas vaquer dans la prière, si nous pas chercher bon Dieu, eh bien nous gain problème. Nous gain problème. Je dis à l'important pour moi ensemble avec vous, pour nous capables armer nous avec les armes de Dieu, pour nous capables remporter la victoire. Victoire là, c'est pour nous que lié, mais c'est pour monde qui était connecté avec bon Dieu. Question que nous t'aimé poser dans le ça. Est-ce que ou c'est un monde qui priait? Qui l'est ou chercher bon Dieu? Est-ce que les moments difficiles y arrivent? Est-ce que on va chercher bon Dieu ou bien on va chercher les hommes? Est-ce que c'est bon Dieu va chercher pour aider ou dans situation yo, dans kesou yo, l'air ou bagay yo tête en bas, l'eau pas en route pour passer, la situation en di grave, le docteur di ou pa gen l'autre espoir encore, le officier immigration an fait déclaration devant ou li di ou sous déportation, lorsque yo di ou pa gen rien yo ka fait pour ou, qui ça ou fait dans moment ça? Les maladies rentrent dans le corps, rentrent dans la vie, dans le petit tout. Les toutes sont faites, viennent mal pour vous-même. Pas grand yon fait, chers amis. Eh bien, sont faites pour réussir la donne. Toutes sont faites, c'est comme si ils vivent contre tout, chers amis. Dans le moment ça, qui ça vous fait? Est-ce que vous cherchez bon Dieu? Est-ce que vous cherchez le Saint-Esprit de Dieu pour aider vous? Qui ça vous fait dans le moment? Eh bien, chers amis, nous apprendre aujourd'hui qui ça que nous devons faire en tant que chrétiens. Nous besoin prier, parce que la prière c'est seule âme qui capable permettre nous remporter la victoire. La victoire sur ennemi nous. La victoire sur force infernale, yo. La victoire sur dominateur. La victoire sur esprit malin dans les lieux célestes. La victoire, chers amis, sur quel que soit principauté cap diriger yon zone. Je dis à nous apprendre
c'est pas pour nous prier seulement les gens en circonstance. Quel monde qui prie, c'est les gens qui ont problème. Ou bien ils n'ont pas de job, ou bien ils n'ont pas de travail, ou bien ils sont malades. Et tandis que si nous te connaissons, c'est avant maladie hein, pour te prier. Parce que l'on prend la guerre, c'est l'on qui frappe ou tombe. C'est l'on prend balle ou tombe. C'est l'on prend balle ou mourir. Mais, moun qui compte bataille là, qui ça qu'il fait? Il pas tant ennemi à tirer sous lui pour tomber après ça qu'on y a là pour les âmes, non. Il abrite elle. D'utiliser des techniques et puis de frapper ennemi avant de monter des forteresses, de monter on sait de tour, de ranger les âmes bien rangées et puis d'attendre tous les ennemis à tirer et puis le salir même pour le frapper. Mais elle pas ton ennemi à tirer avant. Je dis à ce pas là nous malades pour nous prier. Et pas là petit timoun là il est sur pas le prier. C'est pas là bagaille virer tête en bas non mais on c'est là sur pas le prier non. Ou en retard. C'est pour faire des préventions spirituelles. Dans combat. C'est pour préparer les amours. C'est pour bâtir des tours, des forteresses. Et puis abriter ou. Depuis tête ennemie apparaît à vous la gizam. Et bien comment on fait ça? Dans la prière. Vous priez matin, vous priez midi, vous priez soir. Et pendant toute l'heure à vivre, pendant la journée, vous toujours à communiquer à mon Dieu. Et tout le ça, c'est côté où a barré diable, où a barré ennemi, pour pas remporter la victoire sur vous-même. Chers amis, est-ce que vous êtes prêts pour combat? Est-ce que vous êtes prêts pour remporter la victoire contre ennemi? Contre le diable, contre le méchant qui campait en face de nous. Je dis, nous capables de remporter la victoire tout. Même Jean Jésus a remporté la victoire. Je dis, nous capables de remporter la victoire tout. Même Jean Paul et Silas ont remporté la victoire lorsque ils étaient en prison. Je dis à nous qui avons remporté la victoire, chers amis, même Jean-Pierre, tu as remporté la victoire. Lorsque Jean et Pierre étaient en prison, eh bien, la prière te permet de te libérer, de te sortir. Je dis à ou même Captain Demla, bien important, pour nous rester connectés dans la prière. Il est important pour nous suivre la prière ça, la prière sacerdotale, comme une prière, un modèle de prière que Jésus était fait avec papa. Il t'a prié papa. Il t'a parlé avec lui. Je dis à moi-même ensemble avec vous, nous capables d'apprendre de prière ça. Apprendre de prière ça pour nous apprendre à prier. Connaître comment pour nous parler ensemble avec bon Dieu. Pour nous connaître comment lorsque nous entravés, lorsque bagaille tête en bas, pour nous connaître, chers amis, que bon Dieu est capable de bah nous la victoire. Je dis à, chers amis,
y a un monde qui a de l'eau dans les yeux. Il y a un monde situation li réellement difficile pour yo. Yo pas contre qui ça pour yo faire parce que bagay la difficile pour yo même. Mais yo besoin connait comment pour yo parler avec bon Dieu. Chers amis, l'autre texte que nous gagnons qui montre nous comment Jésus eh bien li apprend disciples pour prier. C'est dans Luc chapitre 11. Verset 1er à continuer. Il dit Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça, c'est une autre forme de prière que Jésus t'a enseigné, disciple. Et si vous regardez reste texte là, chers amis, après le film montré yo comment pour prier, et puis il fait une promesse, là où prier, là pour répondre prière yo. Nous pas besoin de lire encore reste excellent bien-aimé, mais je dis à moi-même avec nous connaît qui ça la prière qu'a fait, nous connaît ennemi qui camp en face nous, et ben yo ka tomber méchant camper devant nous, yo ka disparaître. Ça qu'a faut crier à ou on doit pas jamais entendre encore ou on doit pas ouais encore, mais faut rester focus. Focalisez-vous dans la prière. Pas jamais cesser de prier. Même Jean Éphésiens 6 dit: priez en tout temps. Faites toutes sortes de qualités de prière. Chers amis, eh bien, victoire assurée. On l'a brûlé dans la vie. Nous avons une opportunité pour nous faire mon relé. Ou à relé. Ou à dit pasteur Jean, ou t'es enseigné nous. Ou te parler avec nous. Comment pour nous prier? Comment ou te montrer nous? Jésus, il te prié. Il fait prière sacerdotale. Il fait prière dominicale. Il apprend disciples comment pour prier. Il fait promesse avec eux. Si vous priez, comment il apprend à porter la victoire? Mais je dis à moi remporter la victoire parce que mérite toujours dans la prière. Chers amis, pas gen moun ki rete sou genou yo pou yo soti honte. Même si on monte à la montée bien haut que tête tout. Gen un jour quand même la vide à terre. Même Jean murage Jéricho qui était monté bien haut. Oh! Et puis celui c'est bagarre extraordinaire. Hauteur li, c'est pas extraordinaire. Il barre le peuple Israël là pour pas passer, pour entrer dans la terre promise. Je dis à grand pile montagne qui devant, grand pile muraille qui devant, grand pile la mec campé en face, grand pile ennemi campé en face, ennemi invisible, ou pas ouais, yo mais là, mais m'a donné un bagage, la prière, li ka brise tout. La prière, ka met tout en bas. La prière, ka crase tout, seulement rete dans la prière, connecté dans la prière, prier en tout temps, prier chaque jour, wap ban mon nouvelle, wap témoigner dans l'église kotoye, wap rele dans live sa yon jour pour témoigner, pour dire oui, et bien précipité mio, et bien yo tombé, diable racial tombé, persécution tombé, méchant tombé, sa te dit m'pap jamais yo tombé, c'est garder yo garder. Alléluia, yo wèm passé.
yo aime passer, yo aime voler en l'air. Moi prends zèle, alléluia. Moi prends zèle tant qu'un aigle, moi voler bien haut. Sous tête montagne, sous tête monio. Gros vent yo qui t'a vanté a. Yo calmer, yo disparaître. Ba même wè yo encore. Ennemi t'est campé en face moi yo. Ba même wè encore. Mais comment ça fait? Avec la prière. Avec la prière. Chers amis, nous encourageons. Retirez dans la prière. Connectez. Ou va ouais. Qui ça, bon Dieu, va faire. Que mon Dieu avec vous. Que mon Dieu bénisse vous. Dans le moment ça. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur, Papa. Encore une fois, nous bénissons. Nous disons merci pour le moment ça. Merci Seigneur parce que vous êtes modèle. Vous êtes modèle pour nous dans tout le bagage. Même dans la prière, vous êtes modèle pour nous-mêmes. Vous montrez nos prières. Nous suivons prières. Nous voyons comment parler à Papa. Nous voyons comment humilier. Comment descendre. Comment glorifier. Et je dis à nous-mêmes tout, nous descendons bien bas. Nous glorifions, nous exaltons. La mode continue à bénir nous. Continue à faire merveille dans la vie. Nous remettons bien aimé qu'à attendre. Alléluia, life ça. Tout le monde qui est dans la life là, nous remettons bas haut. Que principauté dans la zone côté où il y a. Que prière ça. Fessez ou à terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Que puissance ou régner dans la maison de la caillou. Régner dans la zone côté où il y a. Régner, Seigneur Dieu, dans la vie. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et l'éternité. Amen. Amen. Chers amis, bon Dieu bénis-nous. Nous comptons. Nous disons Dieu merci parce que nous gagnons privilège pour nous être ensemble avec vous dans la vie. Et nous arrivons dans le moment qu'on y a pour nous mettre fin avec l'émission. Et nous souhaitons nous une bonne fin de journée. Et nous espérons et nous capables ensemble avec vous encore à soi. Et bien, prière minuit. Pas oublier, partager life là. Fait l'autre monde. Et tendez-le. Et puis, le conseil est capable de bénir. Encourager, puis capable, chers amis, abonner. Et puis, partager life là avec l'autre monde. Et nous croyons au nom de Jésus, n'a pas avancé. Parce que le Seigneur, il est là. Avec nous, dans tout ça qu'on a fait. Que mon Dieu bénisse nous. À plus tard. Bye bye.